Asphine est gentil. Il est très gentil. Il s'appelle Gun. Gun, il est gentil avec Gun. Oui, oui, il est gentil, Gun. Tu trouves plein de vidéos sur elle sur YouTube. Hey, il s'appelle Gun, je connais, il s'appelle Gun. Il est gentil. Moi, je préfère celui-là. Ah oui, il est gentil. Apprenez à observer et à décortiquer les expressions physiques de votre chien. Allez, pose ton jouet. Voilà, c'est bien. Ça sert à rien de crier, hein. Ah bah, tu comprends très bien. Tu dis bonjour aux internautes ? Tu dis bonjour aux internautes ? Oui. Encore. Ça, c'est bien, ça aboie. Stop. Couché. Oh là là, tu fais le mort. Oui, ça c'est bien, tu fais le mort. Oh là là, tu fais le mort. Gun, tu vas chercher ton nonos. Il est où ton nonos? Allez, va chercher ton nonos. Il est où ton nonos? Oh là là, donne ton nonos. Oh là là, allez, donne. Oh, ah, m'a donné son nonos. Oh bah, tu m'as donné ton nonos. Hein, tu m'as donné ton nonos. Et bah maintenant, je suis content. Je suis content. T'es content que tu m'as donné ton nonos? Hein? Gun, tu vas à ton panier? Allez, va ton panier, va. Oh, bravo. Gun, tu vas à la douche? Oh là là, bravo. Gun, tu vas à ta niche? Alors Gun, on va faire une séance de photos, alors bouge pas, attention, photo. Voilà, ok, tourne-toi, ok, c'est bien, ok, regarde-moi, oui, bravo, ok. Tu vas te décaler un petit peu par là, voilà, merci, ah ben reviens à ta place, là, ok, reste, ok, ça c'est bien. Maintenant, tu t'assois, ok, c'est bien, bravo mon bébé. Bon, dépêche-toi, sinon rentre à la maison. Vous avez vu? Quand j'ai employé le mot, direct elle est venue. C'est ce qu'on appelle le chantage. Force de constater en jetant son frisbee, elle court et d'un coup, sans raison apparente, elle décide de mâchouiller. Cela aurait pu durer jusqu'à sa destruction totale, mais le maître du jeu, c'était moi, et c'est aussi moi qui fixe les limites, et pour cela, rien ne sert de s'emporter. Il suffit d'utiliser le chantage qui fonctionne, comme vous l'avez constaté, à merveille. Le chantage peut être compréhensible que si vous avez appris à votre animal la phrase « rentrez à la maison ». Vous pouvez lui inculquer tout ça au moment où vous rentrez chez vous. Je tiens à préciser que le chantage doit être utilisé avec modération. Utilisez le chantage que si vous avez tenté de lui demander de rapporter le jouet, celle-ci ne s'exécute pas. Employez la dernière carte en lui disant de se dépêcher, sinon le jeu risque de se terminer. Dans ces situations, il faut évidemment faire preuve de discernement. Quelque chose, monsieur? Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il te donne quelque chose, là? Oh, il te le pose. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du saucisson. Elle veut pas manger. Elle le mange pas. Bah alors tu manges pas, Gun? Ah, allez, éduquer. Maintenant, je t'explique. Tu recules. D'accord. Bah, oui, mais... Bah... Oui, bah, en fait, si... Ah... D'accord, oui, bah, Oui, bah, ça, je sais, Gun, mais si je fais ça, c'est pour que les internautes puissent comprendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup... Bon, Gun, on est parti? C'est parti. Le frisbee bleu, le bleu. Ok. Maintenant, tu vas me donner le frisbee, le rose. Ok. Le rose, ça c'est parfait. Le frisbee orange.
Ok. Maintenant, tu me donnes le bâton vert. Ok. Maintenant, Gun, tu vas me donner le bâton orange. Ok. Maintenant, tu me donnes le coussinet. Oui, bravo. Tire. Oh, bah le coussinet. Oh, bah alors, Gun, le coussinet. Oh, oui, le coussinet. Voilà, ça, c'est du berger malinois. Le professeur Gregory Brans l'explique, après avoir étudié et scanné pendant 2 ans le cerveau de plusieurs chiens, il n'en a conclu que les chiens sont aussi des personnes. Les chiens auraient le même niveau de conscience et de sensibilité que les jeunes enfants. Vous imaginez un peu le même niveau de conscience qu'un enfant. Gun, traverse une fois. Traverse. Demi-tour. Traverse. Pour des raisons de sécurité, vous avez vu le petit panneau là qui parle pour moi limite. Non, mais sérieusement, faites très attention, d'accord. Faut savoir que Gun est entraîné. Vous pouvez également l'entraîner, mais il y a quand même une méthodologie quand même avant tout ça, d'accord. La multifacette du malinois qui est en fait un chien que moi j'appellerais couteau suisse, quoi, qui peut vraiment s'adapter à énormément de situations et qui va vraiment être façonné par le maître. Quand je vois Gun, je me dis, voilà, à la base Gun, son maître l'a récupéré, n'était pas comme ça, c'est vraiment son maître qui l'a façonné, qui a vraiment une éducation parfaite et qui aujourd'hui a un système qui permet d'apprendre énormément de choses Gun. Et j'ai pu voir Gun en action, donc oui les amis, j'ai eu la chance de voir Gun en action et je peux vous dire que c'est encore bien plus impressionnant que dans les vidéos sur YouTube. Quand tu la vois tous les jours, c'est vraiment quelque chose d'incroyable à voir et je me dis c'est clairement un modèle. Je vais venir tout rouge à un moment donné, attention. Ah ouais, non, mais les amis, je vous le dis, c'est quelque chose, c'est un privilège. Et en fait, en ayant vu Gun, on s'attachait, forcément. Évidemment. Forcément, et là, mon choix s'est absolument porté sur le malinois et pas sur d'autres chiens. Pour sortir, il faut ouvrir la porte. Tu ouvres la porte? Allez, ouvre. Allez, ouvre la porte. Deux ordres en même temps. Gun, tu vas chercher ton jouet? Oui? D'accord, mais c'est la dernière fois. Après, on rentre à la maison. D'accord? Allez, tu vas chercher. Donc là, voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la chienne? Naturellement, elle se dirige vers le domicile. C'est pas Thibaut tout ça, franchement? Hein? Donc là, je vais lui demander de traverser. Traverse. Et tu pousses la porte. En pied. Marche. Vert. Orange. Tire. Lâche. Allez.
lancer. Hop. Papa. Mort, lâche. La méthode Gun. Mort, stop. D'avoir un chien, voilà, de l'avoir de A à Z, mais ouais. De l'entraîner jusqu'au bout. Et puis, voilà, quoi, je me suis dit, je vais contacter le propriétaire. J'ai vu que Gun, justement, dans des vidéos, qu'elle avait des petits, qu'on avait tous eu une chance d'en avoir un. Et voilà, quoi. Son cœur pour son chien. Oh là là! Oh là là! Allez, je tire. Oula. Grogne. Grogne. Allez, grogne. Grogne. Voilà. Encore. Gun, tu remontes la serpillière encore? Montre-moi comment tu fais avec la serpillière. Allez, vas-y, montre-moi. Montre-moi comment tu faisais tout à l'heure. Montre-moi comment tu faisais. Tu faisais comme ça. Vas-y, montre-moi. Oui, vas-y, montre-moi. Oh, d'accord, waouh. Oh là là, t'impressionnes des bébés, hein? Oh là 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 là! Oh, t'as de la force, hein? Dis-moi, Gun. Gun, on a combien de jours de gestation? 56. Oh là là, c'est beaucoup. C'est... Et comment ça se passe? Ah ouais? Et t'as pas changé, hein? Je sais. Et les internautes, tu leur dis quoi? Oh, bah que c'est gentil. Ah bah, ils vont être contents, les internautes. À ce point! Oh mon bébé! Oh là 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 là! Oh là là! Bah oui, ils te manquent comme ça les internautes! Oh oui! Oh bah alors les internautes, ils te manquent comme ça! Oh bah là mon Gun! Oh là 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 là! Je savais pas ça, Gun! Tu viens de m'apprendre un truc de dingue là! Le chien lui manque juste la parole, nos compagnons ne nous jugent pas, ne nous trahissent pas, ne cherchent à aucun moment à nous nuire. Au contraire, votre satisfaction sera la récompense de ces actions. Oui, nos amis à quatre pattes sont aussi des personnes, ils ont eux aussi des sentiments et des pensées.
Gun. Tu fais un bisou à papa. Oh là là. Oh bah là 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 là. Gun.